En seconde partie, Olivier Téna, du fameux groupe rock Les Shérifs. Les Shérifs, le retour, oui. Olivier nous présentera leur nouvel album, Grand Bombardement Tardif. Ils seront à la salle Victoire 2 pour un concert exceptionnel, vendredi 10 décembre. Zéro, que de souvenirs, non, Olivier? Oula, ouais. Un vieux morceau. Et alors, c'est sur la demande de Stéphane, parce que vraiment, Stéphane est un fan des Shérifs, et il me disait, il connaît par cœur les paroles de cette chanson. Hein, Stéphane? C'est vrai, ouais. Et je la fredonne souvent, elle est souvent dans ma tête, ouais. Bah, c'est vrai qu'elle met de super bonne humeur. Ouais. Puis, depuis que j'ai l'âge de 15 ans, j'ai cette chanson, voilà, qui me revient régulièrement. Et donc, j'aime bien la chanter. Donc, tout seul. Tout seul sous votre douche. Dans le bain, sous la pluie, en marchant dans la rue. Alors, Olivier, moi, je vous représente. Vous êtes le chanteur du groupe mythique montpelliérain Les Shérifs. Et donc, voilà, cette date de concert à la salle Victoire 2 le 10 décembre est vraiment immanquable pour tous vos fans, parce que vous avez quand même un fan club incroyable. Ouais, ben c'est pour ça qu'on est toujours là, quoi. Ouais. Parce qu'on a arrêté pendant très longtemps et c'est vraiment à cause du public et de l'amour qu'il nous renvoie qu'on est là, quoi. Sinon, on aurait arrêté depuis longtemps. Oui, voilà. Il y a eu des hauts et des bas. On va parler un petit peu, si ça vous dérange pas, de votre parcours, de votre parcours. Mais c'est vrai que dès que je parle de vous, à des gens, de suite ils ont la banane, quoi. Il y a pas photo. Je pense que c'est notre principale force, quoi. Parce que les gens ils s'amusent à nos concerts et donc ils sont toujours là à venir. Ouais. Alors vous avez démarré très très jeune, vous étiez encore au bahut. Ouais, moi à 16 ans on a commencé avec Manu qui est toujours là. On était au bahut, oui, on a arrêté le bahut d'ailleurs, pas loin d'ici d'ailleurs, parce que ses parents ils habitaient au bout de la rue là, à Mont. Vers la clinique Lavalette donc. Vers le zoo là. Le zoo, d'accord. Et donc, on allait voir nos premiers concerts à Bougnol, là, à CDC, Scorpion, des trucs comme ça, Téléphone. Hein. Et donc, on était chez lui, on jouait, on répétait, on voulait faire comme ces groupes-là. Voilà, on a commencé à 16 ans. Avec les Vaughn. Avec les Vaughn, ouais. Un groupe mythique. on a joué 3 ans et après, on a fait les Shérifs en 84. Et après, voilà, là c'est parti. Toujours avec Manu. Et alors, Stéphane, qui est un grand spécialiste quand même et un collectionneur, me parlait d'un... Vous avez gravé un 45 tours en 83 avec les Vaughn. Oui. C'est notre premier 45. C'était Monsieur Vinyle à l'époque qui avait, avec tout le monde, il y avait... C'était la mouvance montpelliéraine, il y avait OTH, il y avait Isabelle Barsala qui faisait du graphisme, des pochettes, ouais. Il y avait Tony Iacoponelli qui faisait les photos, il y avait les Vierges donc aussi. Ça a été vraiment une période là, Montpellier, rock on va dire quand même. Ah ben là, moi j'étais pas là, j'étais trop petit, mais Olivier en parlera mieux, mais ça a commencé à chauffer grave. Bon, il y avait OTH, mais c'était les seuls et... Et c'est pour ça, c'est là qu'on a demandé une salle rock et qu'on a eu la première salle Victoire rock, de... voilà, la première victoire ouais. Tout court, ouais. Qui a duré que deux ans et qui a été démolie. Mais enfin, après, ils nous l'ont refait en Victoire 2, mais voilà quoi. Et c'était le manager d'OTH à l'époque qui était... Alain Voyer, ouais, qui s'occupait de la salle. D'accord. Alors pour en terminer là avec Vaughn, donc ça a été, vous aviez 16 ans. Ouais. Et donc, il y a quelques 45 tours qui sont sortis. Il n'y en a qu'un. On n'a pas duré très longtemps. On est parti enregistrer à Rouen. On avait fait une bande et quand on est revenu, on a splitté. Et il y a un fou furieux de Rennes, qui est un archéologue du rock français, qui a ressorti cette bande, qu'il a retrouvée. Alors là, c'est carrément, je ne sais pas comment il a fait.
Et il a sorti un disque d'Evon, là, il y a pas longtemps, il y a 2-3 ans, avec ses enregistrements que moi, je croyais que j'avais même pas fait le chant dessus. Alors, je me souvenais même pas. Mais... l'autre, il a retrouvé ça, je sais pas, incroyable. Ah, mais je suis allé voir sur Internet, et en effet, il y a un site... Il y a un 33. Oui, avec des morceaux... Il y a le 45 tours, il a mis, il a trouvé des bandes live, hein, aussi, incroyable. Et ce truc qu'on avait enregistré à Rouen... D'accord. Et alors, parmi les tubes, là, on peut citer Bubblegum, Pussycat, Nuit après nuit, c'est ça? Ouais. Bon, à l'époque, on n'était pas sortis de Montpellier, hein. On était vraiment un groupe local. Ouais. Et alors, donc, de ce groupe Vaughn, en fait, est né Les Shérifs, une bonne partie du groupe de Vaughn vous a suivi, en fin de compte. Ben, on était trois. Les Vaughn, on était cinq, et là on est trois. Et en fait, nous on s'est fait virer parce qu'on était trop mauvais. Trop mauvais, techniquement, parce qu'on était des punks. On savait pas jouer, on était nuls. Et donc, ceux qui voulaient faire de la musique, sérieusement, ils nous ont virés. Et en fait, nous les punks, on a monté un groupe à côté. Voilà. Ceci dit, donc, ceux qui vous ont viré, après, ils ont pu faire long feu. Ah ben non, il y avait mon frère, hein, d'ailleurs. Il est vidéaste et photographe, hein, c'est un super... Il n'y a pas de problème, mais c'était une divergence d'opinion, quoi. Musicalement, eux, ils voulaient faire des trucs chiadés, tout ça, et nous, on était des gros punks, on ne savait pas jouer, voilà. Donc, les Shérifs se forment avec, donc, si je ne me trompe, Philippe Rondeau, Fred Bessières, Manu Larnaud. Manu et moi. Et vous. Et Michel à la basse. Michel Conné-Gérond. D'accord. Et alors, c'est là que commencent les grandes années des Shérifs? On a mis un peu de temps, hein, quand même, parce qu'il y a le guitariste Philippe qui était dans les Vaughn qui est parti. Il est parti au Congo trouver du pétrole, hein, travailler sur les plateformes pétrolières parce que son père l'a extirpé du milieu rock pour essayer de le sauver. Et du coup, on s'est retrouvé sans guitariste. Hein, donc, on a pris un mec, un copain à nous, en fait, qui ne savait pas du tout jouer. Et on lui a dit, bon, on va t'apprendre. De toute façon, nous non plus, on ne sait pas jouer. Tu fais trois barrés, crac, 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 et c'est bon. Et voilà. Et puis après, voilà, on a fait un premier album en 87, et c'est parti. Et c'est parti. J'ai une question. Le premier concert des Shérifs, tu t'en souviens, c'était où? Premier concert des Shérifs. Je confonds beaucoup avec les Vaughn, mais je crois que oui. Je crois que c'était à la salle Victoire. Victoire 1, il me semble. On a commencé, oui, Michel, le bassiste, il monte sur scène, il avait voulu mettre des tiags, il s'est vautré, il est tombé, il a désaccordé sa basse, et du coup on a été obligé de repartir pour revenir, une catastrophe. Et alors, l'ambiance des concerts, c'était comment au niveau du public? Il était comment? Au début, le public il était maigre. comme tout le monde, quand on commence, il n'y a pas grand monde. Mais quand même, à Montpellier, on était connus, on jouait au doyen dans des caves. Hein, et voilà. Là, il y avait du monde et c'était chaud. Chaud. Alors, on m'a parlé, d'une rue à Montpellier. Alors, attendez, vous allez vous souvenir du nom. Moi, c'est une rue perpendiculaire à la Grand Rue où il y avait tous les rockers là-bas, dont vous, qui habitez là-bas. Rue Roucher, rue Cabanel. C'était le fief. Voilà. Il y avait Monsieur Vigny, enfin, il y avait le disquaire. Oui. Oui, on était tout le temps fourrés là-bas. Moi, je me souviens, c'est là où j'ai connu plein de choses. Le premier, les Berruriers Noirs, le Parabellum, lui, il recevait tous les disques. Donc, le Ramones qui avait sorti, on était chez lui tout le temps, on écoutait les disques qui sortaient à fond les gamins. Hein.
Alors, vos influences, les Shérifs, c'est, bon, on dit, c'était les Ramones avant tout. Ouais, surtout les Ramones. Au début, on voulait presque faire les Ramones français, et puis vraiment, déconner comme on ne savait pas jouer. Voilà. Le premier concert qu'on a fait, je me souviens, quand j'avais 16 ans, on avait fait I Don't Care des Ramones, la chanson la plus facile. Hein. Il y a deux accords, et ben on s'est planté. On l'a recommencé au moins trois fois, tu vois. Donc, comme on était mauvais, on jouait des trucs simples. Après, évidemment, avec le temps, on a commencé à devenir plus technique et on a fait des choses plus techniques. Mais... Et alors, avec le temps, est-ce qu'il y a d'autres groupes qui vous ont influencé ben, en ouais, avançant dans mesure, les années, oui, on va oui, dire. Bien sûr. Ouais. Mais enfin, c'est quand même la base pour nous, c'est Ramones, AC/DC, Chuck Berry, quoi, c'est le rock'n'roll de basique, quoi. Puis bon, les Beatles, les Stones hein, pour le début. Et après, évidemment, en 90, est arrivée la vague grunge avec Nirvana et les Burning Head, tout ça. Et là, ça nous a bien boosté. Là. Et voilà, du coup, on a écouté ça, les Bad Religion, voilà, NoFX. Et là, ça nous a beaucoup plu, ces groupes-là. Et ça nous a influencé aussi. Et alors, et ce qui doit faire bizarre, c'est qu'ensuite, des groupes vous aient imité, vous. C'est assez étrange. J'arrive pas trop à me rendre compte de ça. Mais je pense que c'est la même chose pour nous. Parce que là, je parle des groupes internationaux. Mais en fait, pour nous, le plus grand groupe du monde et celui qui nous a le plus influencé, c'est OTH. Ah, oui. Donc, groupe Montpellier. Parce que nous, on les voyait en concert. Tous les concerts, on était là. Toutes les répètes, pratiquement, on était là parce qu'on allait les voir. Donc, pour nous, c'était le plus grand groupe du monde. Quoi. Et c'est eux qui nous ont le plus influencés, ça, c'est clair et net. Stéphane, vous aussi ? Ah ben, au théâtre, je crois qu'en tant que Montpellierain et tous les Montpellierains qui aiment le rock et la punk musique, forcément, OTH, c'est un monument. Les Shérifs est un monument, mais OTH était là pour foutre le feu avant tout le monde. Alors, on va écouter un morceau du dernier album des Shérifs, du rock'n'roll dans ma bagnole. Yes. C'est chaud, chaud, chaud dans les studios de Radio FM+. Je vous dis pas, c'est du rock'n'roll dans ma bagnole et dans les studios. Et on découvrira le dernier album des Shérifs le 10 décembre à la salle Victoire 2. Ça va être un grand, grand bonheur pour tout le monde. Alors voilà, hors micro, ça papotait. Stéphane, racontez ce souvenir là que vous étiez en train de nous raconter. Faites profiter les auditeurs. Bah, à 15 ans, on débarquait chez Manu le batteur. J'avais un pote qui le connaissait. Et nous, le mercredi après-midi, on sonnait chez lui. Et on montait à... Des fois, une fois, je crois qu'on s'est retrouvé à 10 gamins dans son salon. Et... Eh ben, on allait là-bas pour écouter les morceaux qui sortaient de studio. Et une fois, on avait eu le privilège de voir un vidéoclip en avant-première. Et là, on était ressortis de là, mais on était fiers comme... voilà. Tu sais, nous, on faisait exactement la même chose avec OTH. Et ben voilà. Moi, je séchais l'école et j'allais chez eux. Et je sonnais le matin, ils n'étaient pas réveillés encore. Mais là, une fois, Manu nous ouvre en peignoir, tout gentil, quand il nous fait rentrer. Vous voulez un café? J'ai un clip à vous montrer. Ah ben ouais. Voilà. Et alors, et Carole, vous demandez si, entre-temps, vous aviez appris à jouer
joué. Ouais, on disait, en fait, ouais, maintenant, ça va. Hein. Mais, enfin, sauf moi, parce que je suis toujours aussi mauvais. Mais par contre, Banu, lui, il avait déjà fait 5 ans de piano classique quand il était jeune. Et du coup, lui, il sait lire la musique, il sait l'écrire, et c'est lui qui fait les morceaux, la plupart. Et donc, il compose piano-voix. Et lui, c'est un matheux en plus. Donc, il fait des trucs vachement chiadés avec des enchaînements. Voilà. C'est pas pour la musique, c'est quand même, on a une particularité, disons, c'est grâce à Manu qui fait des morceaux quand même assez chiadés, quoi. D'accord. Alors, pour en terminer avec, enfin, la côté historique, entre guillemets, est-ce qu'on peut dire que votre grande époque, en fait, c'était de 84 à 99, avec peut-être 90 la meilleure année? Ouais, le meilleur, c'était le début des années 90. En fait, on était là au bon moment, hein, tout simplement, parce que OTH s'est arrêté. Donc, du coup, nous, on était tout seuls, on était les héritiers. Tout le monde s'est cassé la gueule, la mano, tout ça, là, tout s'est arrêté. Et en fait, est arrivé Nirvana et la vague grunge qui a déferlé. Et à ce moment-là, le rock est devenu mainstream. Tout le monde en écoutait. Il y en avait à la télé, à la radio. Et du coup, nous, on était là. Et on avait déjà 4 albums. On était bons. Et du coup, voilà, on est monté. Et on a surfé sur la vague, quoi. Oui. Et c'est le, voilà, 80. Et on a fait un live, là, qui a bien appuyé. Et voilà, donc début des années 90, c'est vraiment là où on a eu notre pic de gloire. Oui. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'en 99, vous décidez d'arrêter ? La lassitude. Hein. On commençait déjà à avoir 35 ans. Et, ah, c'est vieux, bien, ça. Ouais, très, très vieux. Et surtout 20 ans de scène dans les pattes, oui. Hein, et de concerts. Et puis voilà, quoi. Les tournées, c'est quand même fatigant. C'est très fatigant. Et là, on s'est retrouvés en Italie, dans des squats pourris. Ça nous a... on a vu qu'on n'était plus fait pour ça, quoi. Fait qu'on n'avait plus envie. On avait envie d'être chez nous, avec nos gosses, nos femmes. Hein, et on n'avait plus envie de tourner. Ah, et oui. Voilà. C'était plus des plans, en fait, là, ce genre de concert, baston. Oh, non, non, c'était des squats, parce que en France, c'était très bien. Hein, on jouait dans des grandes salles, tout le monde chantait nos chansons. Enfin, c'était la folie. On allait au resto, à l'hôtel, c'était super bien. Mais on n'arrivait pas à percer à l'étranger. On avait fait l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, enfin plein de fois. On a essayé et on n'arrivait pas à monter dans ces pays-là, quoi. Donc on a stagné un peu à l'étranger et puis voilà. Ça nous... Mais alors, vous l'expliquez comment ? Il y avait moins de rock ou c'était le fait que vous chantiez en français ? Surtout, chanter en français, du coup, c'est impossible de passer sur les radios. En Allemagne, ils sont focalisés sur les Américains. Ouais. Et pourtant, il y a un groupe allemand qui fait que du Shérif, qui reprend que des morceaux des Shérif. Les fanatiques, c'est ça. Ouais, qui parlent même pas français en plus. Il y en a qui font que des morceaux. C'est fou. Ouais. Ouais. Il y a un groupe suisse aussi. Ouais. Bon, les Québécois évidemment, et des Français. Ouais. Et du coup, vous avez jamais été tenté de chanter en anglais, une seule ou deux chansons. Si tu entendais mon anglais, tu comprendrais de suite que c'est... Je pourrais chanter en occitan. Là, il y a pas de problème. Ah, mais en anglais, je crois pas. Peut-être en occitan, ça passerait. À l'international. Ouais, non. Alors, donc, voilà, en 99, bah, pour le désespoir de vos fans, vous arrêtez, mais quand même, vous revenez en 2012. Ouais. Alors là, c'était le gros hasard, hein. C'était une asso qui... Oh, on peut les citer parce qu'ils sont super. Ah, ben oui, taf, hein. Oui, la taf, merci, évidemment. Fifi. Oui, merci Fifi. Oui. Donc, évidemment, il y avait Michel, notre bassiste, dans cet assaut, hein, puisque lui, c'est lui qui a monté, c'est un maçon, donc il a monté les Kérons de la taf. Hein. Et bon, il voulait absolument, donc ils nous ont travaillé au corps avec Michel. Il est bon pour ça, Fifi. Et on a fini par dire oui. Et en fait, ben on le remercie parce que voilà, on a fait ça en 2012 et après en 2014, donc 2 ans après, on a décidé de repartir. Oui. Et de faire des concerts d'adieu. Voilà. Donc on a fait 4-5 ans de concerts d'adieu. De longs adieux. Oui. Et donc, voilà. Et là. Donc, qu'est-ce qui vous a motivé pour ressortir un album ? Eh ben, c'est le Covid, évidemment. Parce que, tout le monde a cogité, s'ennuyer. Ben exactement, on s'emmerdait. Parce que dans les trucs normaux, il y en a qui travaillent à côté. On fait des concerts, une vingtaine par an. C'est pas beaucoup, mais disons que voilà, ça nous... Donc, on répète pratiquement pas beaucoup.
Et là, évidemment, on est... plus personne, on ne faisait rien, on s'est emmerdé. Donc au bout d'un moment, eh ben, on a répété, on s'est envoyé des morceaux. Et puis on a retrouvé le plaisir, en fait, de composer, quoi. On avait fait un morceau il y a 3-4 ans pour une compile qui n'est pas sortie, d'ailleurs. Donc on a un morceau qui s'appelle « À Montpellier », d'ailleurs. Et on le joue sur scène, hein, et on voulait... le sortir quand même, qui soit enregistré quelque part. Alors on s'est dit, on va faire quelques autres morceaux pour le mettre dans un 45 ou un truc comme ça. Et puis finalement, comme le Covid dit durer, durer, et nous on faisait les morceaux, et puis voilà. Super morceau d'ailleurs, quand vous l'avez joué cet été à 7, Montpellier, là, c'était à Faya. Ah, c'est dommage, on ne l'a pas prévu, on aurait pu le... Mais je crois qu'il n'existe pas encore. Ah si, il est sur le nouvel album. Voilà. Il faudra venir au concert, en fait, pour l'écouter. Et donc, ce nouvel album s'intitule Grand Bombardement Tardif. Le retour, quoi. Ça va bombarder. Exactement. C'est une période de la Terre et ça nous a parlé. Merci, Covid. Au moins, il y a du positif. 12 titres. Voilà. Et on en a encore quelques-uns aussi, comme on fait d'habitude, qui ne sont pas tout à fait terminés, tout ça qu'on a encore. Donc vous êtes obligé de faire un autre album. À l'allure où ça va, on aura peut-être fait un deuxième album avant de jouer sur scène, hein, parce qu'avec le Covid... Ah ben non, vendredi, oui, mais après, normalement, on part en tournée en janvier, oui. On commence et là... Ça... Je suis pas ça sûr commence que... à être chaud. Ouais. Ça commence à être chaud. Ouais. Et j'imagine donc on va écouter vos nouveaux morceaux, mais on va aussi écouter tous les anciens, les tubes. Si vous voulez. Comment ça? C'est prévu, j'espère. Oui, bien sûr. Ouais, au concert, oui. Oui. On joue tous les nouveaux morceaux, ce qui sera sûrement la seule fois. D'accord. Ah parce bon. Que, oui, parce que dans un album, en fait, il n'y a pas que des morceaux qui sont faits pour la scène. Il y a des morceaux qui sont faits pour le disque, où il y a beaucoup d'arrangements, qui sont durs à jouer sur scène. Ah, oui. Voilà. Donc, un album, ce n'est pas fait que de tubes pour aller sur scène. Il y en a toujours 4, 5, 6, mais après, il y a des morceaux de studio, quoi. Là, on va les jouer, mais je pense que c'est on les jouera plus jamais. D'accord. Et donc là, on retrouve la formation initiale. C'est la formation de la fin des Chérifs, du dernier album Electrochoc en 98. C'est la même formation, sauf que Manu, qui était batteur, il est bassiste, et que on a un nouveau guitariste depuis 3 ans. Parce que Fab, notre guitariste d'origine, il était très fatigué, il n'arrivait plus à jouer carrément, à peine à porter sa guitare. La vieillesse, pas terrible. Et du coup, on a pris un nouveau Richie Buzz, un Nîmois. D'accord. Et ouais, on est allé chez l'ennemi. Un petit jeune. Ouais, petit jeune, je n'irai pas jusque-là, mais enfin, il a 10 ans de moins que nous, je pense. D'accord. Et alors, au niveau des textes, Olivier, quelles sont les thématiques abordées? Les thématiques, c'est toujours c'est ce que je vis moi. Hein. De toute façon, j'ai toujours chanté ce que je vivais moi. Je ne me sens pas de parler de ce qu'il y a dans le monde et tout ça. Enfin, sinon, ce serait du... Enfin, disons que dans une chanson de 3 minutes avec juste un refrain et quelques trucs, tu peux pas vraiment. Enfin, pour moi, je peux pas aborder des sujets sérieux, donc je parle que de ce que je vis. Et au moins, je suis sûr que je dis pas de conneries. Et voilà. Bon, est-ce que vous vivez plutôt bien? En ce moment, ouais, mais bon, ça a rien à voir. Par contre, quand on était jeune, je parlais beaucoup de fêtes, de bourrures, de filles, tout ça. Et maintenant, c'est plus pareil, quoi. C'est autre chose. C'est plutôt le temps qui passe. Hein, Il faut écouter l'album, l'acheter. Donc, il s'agit du grand bombardement tardif. Et puis, évidemment, il faut aller voir les Chérifs à la salle Victoire 2. Donc, le 10, c'est un vendredi, c'est à 20h, tarif unique à 20€. Il y aura une première partie avec un trio Super Munk. L'émission se termine. Vous avez une dernière question, Stéphane, ou pas? Non, là, je crois qu'on a fait à peu près le... Ah, sinon, ça durerait des heures, mais...
Non, je dis c'est ouais. super et il me tarde le concert la semaine prochaine. Bon, et alors on termine avec un morceau de ce dernier album intitulé Soleil de plomb. Stéphane, Olivier, Carole, un grand, grand merci. Merci à William qui était à la technique. Merci à Yann qui est là aussi. Et merci à vous, chers auditeurs. À très bientôt. Bye bye. Bye. Au revoir. Au revoir. Faut travailler sous un soleil de plomb. Faut avancer dans un air en fusion. Et si on veut pas exploser, il faut surtout avoir des nerfs d'acier. Sous un soleil de plomb, dans un air en fusion, sous un soleil de plomb.